Bonjour à toutes et à tous, ici Akai et on se retrouve sur Civilization 5, toujours avec ce let's play consacré à Mimasama. Donc, on était en mode, on va développer un peu le bled là parce que c'est vraiment pourri. Hein. Si. On sera un camp ici parce que un camp ici ça filera des fourrures. On va m'en gagner. Ah c'est con là, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus construire la route vous. Bah si, vous avez construit là la route. Hein. Et après vous avez construit là où il y a le... celui-là, ce con là, il va construire une route où il se trouve. Comme ça, on va construire les deux routes en même temps, deux sections ici. Ça se fera une section de plus, c'est bon. Pas le temps d'avoir les fourrures beaucoup plus tôt. Misty Lake, je vais la raser évidemment. Amarant, je m'en empare, puis le malheur des mongols, je m'en empare également. Bon, le spectre il prend cher, c'est pas hyper grave, c'est qu'un spectre. Les sorcières, feu à volonté. Tout le monde construit un camp là. Elles sont pratiques ces unités de sorcières incendiaires à distance. Hein. Est-ce que cette pièce peut se régénérer? Ou est-ce que s'il reste là, ça fait rien? Ah, il peut pas se régénérer ce pièce. Hein. C'est vraiment une unité de merde qui sert juste à faire quoi? On m'a volé une technologie, génial. A tous les coups, c'est les Tanuki de Mamizu. Hein. Tanuki qui peuvent se dissimuler partout où ils veulent, ces saletés. Ici. La catapulte, on va la déplacer un petit peu là. Là, quand ça bougeait. Peut-être on l'envoie au casse-pipe et c'est là juste. Et bon voilà. Regarde, c'est là lui. Au prochain tour, je crame Gungnir et puis hop, je m'en empare avec mon. La métaque est un peu lointain, c'est pas grave. Est-ce que Vol va être prise par Chirno ou pas? Ou Chirno va juste. Rien glander? Collection urbaine établie entre Circinus et puis ben Locora. Une table promue. Eh ben, on va voir celle-ci. J'ai un général illustre. Très très bien. Un général illustre, ça fait quoi? Ça fait à 8 zolts. Génial. Un général illustre, ça fait quoi? Donc ça fait en fait, ça permet d'avoir des bonus de combativité. Ça peut créer un fort. On va prendre Gungnir. C'est la ville fantoche. On va détruire le lac brumeux maintenant. C'est sur une colline. Faire un camp. Une crypte en plus, vous gagnez un peu de d'or. J'ai d'accord avec qui moi? Pas de ressources de luxe à la bourrique, hein.
Rémulat en guerre, putain. Il s'inquiète de mon tempérament belliqueux. Il tolère les bellicistes modérés. Yuka convoite certaines de mes terres. Putain, Yuka elle est là-haut. Elle convoite certaines de mes terres, génial. Alors, ils aiment pas les bellicistes. Elle déteste les bellicistes. Mou, tu perds du pognon. Tu fais pas une déclaration d'amitié? Dommage. Bien. Allez, on va continuer à faire un petit peu de guerre là. Je m'attaque au Mistilek et après j'attaque à Amaranth puis au SDM. Et après je crame Voil. Si les fées se sont pas emparées avant. Construisez une route dorée vers Gesnir. Bien que si jamais ces villes-là m'intéressent, on pourra toujours les renommer. Et puis quand je peux encore tenir 17 tours là, tu viens juste de payer de. Je ferai cramer cette ville-là. Oui, depuis la colline, il peut faire brûler cette ville, génial. Bonjour cette ville. Ici, Arimadon va construire quoi? Des remparts au cas où, parce que je... Non, pas des remparts tout de suite. J'ai une bonne relation avec Cherno. Vol se fait toujours pas attaquer par Cherno. Cherno qui, ici, je sais pas... Je sais pas si elle a posé... Elle s'est implantée par ici. J'ai pas... rien découvert chez elle. Citadelle, ça fait. Attendez. Vais tenter un truc. J'ai construit une citadelle ici, je tentais honnêtement. Je pensais construire une citadelle juste ici, honnêtement. Faut un pâturage ici, hein. Joueur connu entre au Moyen Âge. Parthénon. Quand ça prend de cher, elle. Vends-moi ça. Guide des écrivains disponible, je sais. Brûle-moi ça. Brûle-moi ça. Et ici, tu veux me construire le Parthénon. Le guerrier, il va ici. Pas été cramé ça? Qu'est-ce qu'elle fout les fées?
se masturbe? Soit contre sucre. Tu le perds un jour, l'autre est mou. Elle me donne des villes! Ah! Au revoir. Eh ben, tu veux pas me féliciter en plus? Elle s'est prête à me donner volée amarante. Ah, je fouille plus de sucre à ma Mizu. Je vais changer ma place avec le guerrier, que ce soit pour un tour, je fais cramer Misty Lake. Il faut que ce soit juste la route ici, histoire de relier comme ça. Hop. Au revoir. J'essaie de m'embasser avec le toit Raimu. Oh, ma sorcière est tuée, c'est triste. Et quoi ça coûtait cher, de toute façon, alors, pour vous dire. Oh, un col barbare qui a capturé une fée. Je la rase. Juste la raser ou juste la prendre pour ma gueule. Non, on va pas la détruire. Je suis contre le Parthénon. Putain, elle a piqué le Parthénon, la saloperie. Ah, je me suis fait niquer. Elle m'a niqué. Ici, on va faire. Son point pour prophétie du souhait. Bon, c'est pas grave. Ici, il y a Misty Lake. Bon, je vais la raser justement parce que sinon ça va me coûter un bout, ça va me coûter cher, cette connerie. Construisez-moi une crypte. Voil, je la crame également. Je m'empare de d'Aramante et après je prends le SDM. Ici, on va construire quoi? Guise écrivain, tiens, c'est lui qui faisait ici. Ça peut être intéressant de faire là avec les écrivains. Bon, j'ai un malus de moins 1 là. Hey.
Gengar peut construire un cirque, elle, parce qu'il y a des chevaux à côté. Tu as payé très cher ton expansion agressive, Rémilia. Chez nous, en position de bonheur, très très bien, bonne nouvelle. Au niveau thune, c'est pas tout à fait ça. Quelqu'un a fondé l'hindouisme fondé par le facteur Akurai? C'est une blague. C'est une shintoïste, Raimu! Mais c'est vrai que j'ai piqué shintoïste. Bombardez-moi cette ville. On va déplacer la catapulte vers le voile. J'ai cramé la ville ici. Quand on va ici, il faudra explorer et s'emparer de ce qu'il y a ici. Si on peut se faire une petite ville ici, qui englobe la région, pourquoi pas, mais sinon. S'il y a des éléphants et d'autres ressources de luxe, oui. Je vois un connu, ça se trouve au Moyen-Âge. Je viens dans cette tour, moi. Sorcière ici, elle va prendre promotion là. Dans défense contre une unité à distance, qu'elle n'est pas censée se fight au corps à corps, elle. Oh mais ça se fait attaquer ici! Ne serait-ce pas Shirno qui tente une attaque de son côté? Oh, quand ça bombarde les catapultes ici. Yuka entre au Moyen-Âge. Alors vous là. Vous avez fait comme vous voulez, je m'en tape totalement. Continuez le pâturage, vous. Alors, toi avec la pluie ici, tu vas venir gentiment ici. Tu restes ici, là, en mode je prends. Je me repose. On attaquera la SDM plus tard. On va se renforcer un petit peu, on laissera les troupes reprendre de la. Tous leurs points de vie avant de lancer l'attaque sur la SDM. On n'est pas pressé, on gagne du pognon. En tuant et en cramant tout ce qui bouge. Hein. Tu vois pas ce qui se passe? Ah putain, t'es aveugle. On peut même pas prendre ça, ce con. On prendra un marrant au prochain tour. Et tout. On fera une ville fantoche. Ou non, au mieux, je la crame et après je ferai directement la SDM pour moi. Pas besoin de se casser les pieds avec une ville ici qui servira à rien, de toute façon qui sera juste bonne à être détruite. Raser la ville, elle servira à rien de toute façon.
Et un guerrier également, parce que les problèmes des villas comme ça, c'est qu'il faut les prendre avec des guerriers. Les sorcières peuvent pas prendre ces villas. Et je ferai raser ce maudit camp barbare. J'adore les fées qui m'ont poussé dans la guerre. Non, j'en fous, je veux cramer tes villes, t'as pas compris ma chérie? Bon, je vais me replier pour le moment. On va détruire l'unité, l'ouvrier, parce qu'il sert à rien, il coûte un peu cher quand même, honnêtement. M'en fous, je veux dire, la ville là, je vais la cramer, ça servira à rien que. Enfin, je raserai ce camp barbare hein, plus tard. Qu'est-ce que je fais? Je détruis d'abord le camp barbare et je m'occupe des SM plus tard ou je me. Fais d'abord le camp? À la limite, non. Je crame Voile, je me rase le camp barbare en même temps, et après bah, je lance tout ça à la SDM. Ça, je vais débarrasser de cette menace qui va partir de prendre des barbares sinon. Non, c'est pas con comme idée, hein. Ici, on va construire amphithéâtre. Il faut 3 tours. On va se retrancher un petit peu là. Nous, on va se régénérer là tranquillement. On va attendre que le guerrier soit à portée pour pouvoir lancer les attaques. Je mettrai une ici, puis on va attaquer hein. Les deux en même temps. Je pense que c'est le. Au revoir. Tu veux pas mon échange, t'es culé. Je suis en position de force, c'est moi qui ai les armes. J'ai beaucoup trop d'ouvriers, je pense. Hein. On va le zigouiller celui-là pour gagner un peu d'or. Ouais, on va raser ça. On va construire une poupée nationale. Attends, je vais, j'ose. Toi, tu seras là dans combien de temps? Ah, mais tu vois Voile, toi. Donc, toi, tu es ici, tu es installé ici. Ramadan peut bombarder une unité ennemie. Enfin, on va dire qu'il pouvait le faire, et bon. Ouf, je vais perdre du pognon. Ça faut absolument que je prenne une ville d'ici peu. Hein. Ou un Korabar. Un Korabar qui attaque la SDM? Oh, putain, les pauvres, ils sont déjà emmerdés avec moi. Alors, si en plus t'as un Korabar qui les attaque, c'est pas de chance. Hein. Vraiment pas de chance. La catapulte ici, elle va bombarder Voile. C'est Magic Library. Toi, ils vont me piler ça ici. Tu vas rester ici en mode état d'alerte. Ici, alors, on va bombarder l'unité là qui pille chez Chirno chez moi et qui fait chier un peu son monde. On va pas attaquer ça tout de suite.
Hop, on va attendre le prochain tour. Là par contre, on est dans la mouise parce qu'on va perdre beaucoup de pognon. Bien sûr. Oh, les barbares qui se font bombarder ici. Très bien. Shadow Vest, je les ai achevés. Ils attaquent prioritairement la catapulte, ils sont pas cons les mecs. Théologie. La prophétie est née, très bien, merci. Donc, on va voir, qu'est-ce qu'on va faire? On a pas mal de choses à faire déjà, premièrement ici. Primo, opération militaire, on tabasse encore un petit coup sur Voile. On balance une petite boule de feu là, tranquille, pépère. Au nord, là, on continue à pilonner l'ennemi. On prend une doctrine, on va prendre la piété pour avoir plus de foi. Pour être illustré, c'est donc le guerrier qui se trouve, je sais pas où il est, où ce guerrier. Ok. On s'occupe de ça d'abord. On crame ce camp. Et vous allez récupérer l'or. Bon, vous me ravez là, le gars. La sorcière, elle va rester là, tranquille, père. Le processus qui est ici, il va faire développer la religion. Développer la religion, donc on va prendre. Putain, j'ai gagné pas mal de 125 d'or. Donc on va prendre une nouvelle croyance, on va prendre quoi? Qu'est-ce qui est intéressant? Utilise la foi pour obtenir des unités pré-industrielles, ça peut être intéressant. Utilise la foi pour obtenir des pagodes. Plus de foi, plus de culture, plus de bonheur. Ah! On va acheter les pagodes, hein, parce que ce sera vachement pratique pour obtenir du bonheur. Surtout si on a une politique d'expansion ultra agressive. Donc là, il y a juste. Bon, une croix de développement supplémentaire, donc on va prendre. Gain 52 fois. Gain 52 fois, alors je sais pas comment dire la personne illustre, ça peut être pas mal. Ouais, sachant qu'on gagne 26, ça fait en fait c'est comme si je gagnais 2 tours. On va prendre Horde Sacrée. Oui. Et voilà, c'est bon. Ils ont mal. Les amis, putain de Cherno. Tu le paieras un jour ou l'autre, le Tanuki. Tôt ou tard, je t'exploserai. Oh, ils ont détruit la catapulte là, les salauds. Le peuple le plus occupé du monde. Je suis où, moi? Je suis là. Non, on va pas attaquer là tout de suite, on n'est pas idiot. Ça. L'ouvrier, on va lui dire, tu vas détruire son territoire, que ça gagnera un peu d'or. C'est combien la catapulte? On va attendre d'avoir terminé ça, et puis après tout, on n'est pas pressé, on pourra toujours cramer Voile. Il sera rapatrié tranquillement devant la SDM et après, bah hop. On n'est pas pressé hein, pour raser Remilia. On a donc rasé une civilisation au bout d'une heure et demie de jeu. Ah, c'est vous, j'ai du mal à vous divorcer des barbares. T'inquiète pas, tu perds un jour ou l'autre. Oh, les barbares qui attaquent Voile. Oh, les salauds! Oui, ça fait mal. Hein. Avec risque, il va mettre un petit coup comme ça.
Non, j'aurais pas dû faire ça. Je comprends pourquoi est-ce que j'ai attaqué les barbares qui tabassaient Rémilia. D'ailleurs, vous qui êtes ici, vous me retirez la route également. Hein. Voyle, je la brûle hein, cette ville. Sanctuaire Akura, il est là. Oh, les barbares qui continuent à cramer Voile. Oh, c'est cruel. Attends, on va se marier, regardez. Vous voulez un petit coup, les gars? Et l'autre m'a accusé d'être un barbare. Et bah, tu vois, il croit que je suis un barbare? Oui, c'est des barbares, et nous revendiquons être des barbares. Et on est fiers. Faudra t'y faire, hein, que je sois agressif. Et puis mêle-toi de ton cul, t'es à l'autre bout du monde. L'Open National est terminée ici. Oh! Borobudur. On va construire le Borobudur et après je construirai la grande mosquée de Jenné. Hein. Le cavalier barbare va le cramer, vous allez voir. Il va rien comprendre, le pauvre. On va se reposer ici, nous. Elle est proche. Sorcière, on va la déplacer par ici. De même que celui-là. Là, Raymaden va bombarder cette brute barbare. Le truc avec Circinus, c'est qu'ils ont rien construit, ces cons. Refusez, c'est toi qui cherches la merde, ma chère Rémilia. En tassant notre point chez moi, je vais terminer le conflit à ma manière. J'ai une manière bien précise de terminer les guerres, moi, tu vas voir, ma chère Rémilia. Ça va pas te plaire, mais bon. Au moins, ce sera radical avec un grand K. Ça a été ma religion. Très bien, ma religion qui se répand. Retrouver ses alliés pillés, ça me craint. Religion développée. Quelqu'un a développé l'islam, très bien, si ça vous fait plaisir. Combien de barbares? Il est où le camp? Il est dans le désert, à tous les coups il est dans le désert, et Shirno n'est pas foutu explorer le désert pour faire ce qu'elle devrait faire. Conne. J'aimerais bien s'aller une ville après ici, moi, une ville à moi. Oh putain, après il y a de la toundra, putain, ça craint. Ça sent le bled qui craint après avec la toundra, là, le truc bien pourri, là, avec l'océan et de la glace au sud.
Après, après j'explorerai ici également pour savoir ce qu'il y a, pour savoir s'il n'y a pas une. Et l'épisode a quand même bien assez duré, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, vos commentaires. Mettez des pouces verts, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Allez, salut tout le monde!